Bonjour, nous sommes le samedi 8 mai, un magnifique coucher de soleil, et pourtant ce matin c'était pas gagné parce que le temps était pourri, pleuvait, il faisait froid jusqu'à 14h quasiment, et le soleil est revenu, les abeilles ont commencé à sortir et elles sortent encore. Vous pouvez voir une magnifique activité ici malgré l'heure tardive, et des activités, on va dire, de 7h, 20h, 21h. Bon, c'est assez rare dans la région, vraiment qu'il fasse beau, et puis derrière qu'il y ait de quoi intéresser les abeilles. Voilà. Habituellement, c'est les journées de miel pour les abeilles sont quand même plus courtes. Donc tout ça, c'est bon pour les os et aussi les réserves. Donc ici, il n'y a pas de souci de réserve, c'est plutôt sur le trucher. Pourtant, il se trouve à 1 km, mais comme il est en plein mal exposé, entouré de champs, bah, automatiquement, les abeilles ont plus de difficultés quand le temps n'est pas favorable à sortir. Ici, elles sont plus à l'abri. Et donc, bah, j'ai quasiment, allez, j'ai 3 ruches sur une osse de miel déjà, et 2 autres qui, là, normalement, avec le temps aujourd'hui, ont dû la compléter. Bon, je ne vais pas faire de pronostic, on verra bien au moment de la récolte de printemps. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais l'effectuer, parce que l'année dernière, j'ai effectué 2 fois. Une première fois à la fin du colza, c'était le 30 avril, déjà, vous voyez, et la deuxième, après sa glace, j'avais fait une deuxième récolte. Ça avait permis de pas avoir de miel, d'avoir plutôt du miel liquide avec la mielée d'été. En fait, j'avais eu la bonne idée de faire une récolte intermédiaire au mois de mai. Ça avait, on va dire, nettoyé un peu les os, parce qu'il y a toujours un fond de colza quand même. Et je pense que c'est ça qui faisait que mon miel d'été avait tendance à cristalliser. Cette année, il a cristallisé, mais très très tardivement. Donc cette année encore, je ferai, on va dire, 2 mielées de printemps, 2 récoltes de printemps à la fin du colza. Et puis une deuxième qui coïncide à la fin de l'acacia, même si ici l'acacia est, on va dire, mineure. J'ai de l'acacia à 1 km et honnêtement, en passant tout à l'heure, j'ai pas encore vu beaucoup de feuilles. C'est assez aléatoire. Et c'est vraiment une année avec du retard. Parce que là, le colza, il y en a encore pour facilement une grosse semaine. Donc on va arriver entre le 15 et 18 mai pour la fin du colza. Donc récolte, allez, je vais dire autour du 20 mai. Après, je vous referai peut-être une première, parce que j'ai qu'un maturateur inox. Donc si je vois que je risque d'avoir beaucoup de os à récolter, je ferai peut-être 3 os pour dire, voilà, de faire une première récolte. Tant pis si je dois nettoyer le matériel, mais bon, ça sera moins fatigant que tout faire d'un coup. Surtout, je suis pas forcément équipé pour faire de trop grosses récoltes. Voilà. Bon, j'espère que par chez vous c'est pareil. Vous avez aussi des abeilles travailleuses et de bonnes conditions. Demain, normalement, c'est encore nickel. Lundi, ça se refroidit, mais on a des températures similaires aujourd'hui. Donc, s'il pleut pas, bon, ça devrait aller. Un petit rayon de soleil, ça sera nickel aussi. Après, on verra bien. Voilà. J'espère que le mauvais temps est derrière nous. Allez, à bientôt et bon week-end.